Salut les petits clowns! J'espère que vous allez bien, hein, malgré la canicule. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau test sur le Play Store, n'est-ce pas? La dernière fois, on avait essayé Tief. C'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà. Donc on va changer cette semaine. Ça va être encore des Lego. Cette fois-ci, c'est démo Lego Batman au-delà de Gotham. Bon, on va tout de suite essayer. On va voir de quoi ça parle. On va télécharger. Voilà, ça va télécharger. Si ça veut bien. Voilà. Le temps que ça télécharge, j'en profite pour vous rappeler de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, c'est important, de mettre un pouce bleu, hein, c'est important aussi, d'activer la cloche lorsque les nouvelles vidéos sortiront, parce que bon, j'ai une nouvelle, j'ai une activité primaire, j'ai une chaîne primaire également, donc bon, c'est jamais bien constant, voilà. Donc merci de vous abonner et d'activer la cloche pour les nouvelles vidéos qui sortiront et de mettre un pouce bleu si le cœur vous en dit. Alors de quoi le jeu parle tout de suite, hein, de Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Donc attention. Appel à tous les membres de la Ligue de Justice. La Légion de la Mort a pris le contrôle de la tour de guet de la Ligue de Justice et pris Martian Manhunter en otage. Batman doit s'allier aux super-héros de l'univers DC Comics pour reprendre la tour de guet à Lex, au Joker et à d'autres super vilains. Construit la Batfusée et barre en chasse galactique pour éliminer les missiles et les bombes du Joker. Vol dans la combinaison spéciale de Batman, tournoie autour de ses ennemis en tant que Flash et tire des rayons laser en étant camouflé en machine à laver en combinaison furtive de cyborg. Bon, ça risque d'être un petit peu déjanté encore. Voilà. Donc, c'est une démo sortie le 19 novembre 2014. Il y a eu 26 931 votes avec une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Donc on peut s'attendre à quelque chose de bon encore. On verra dans notre gameplay comment ça se déroule, à savoir si je suis coincé, peut-être que c'est finalement le point de vue de la démo qui s'arrête ou qui bloque pour pas que ça aille plus loin puisque c'est une démo. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'atteinte aux droits d'auteur. C'est toujours compliqué, peut-être par rapport aux musiques du jeu. Enfin bon, je sais pas, je ne les connais pas, donc désolé, voilà. Je n'ai pas lu les conditions d'utilisation. Mais dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour le test. Salut à tous, salut à toutes.
Alors, on se trouve aujourd'hui donc pour la vidéo test gameplay de Batman 3 Lego, bien sûr, bien entendu, au-delà de Gotham. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Appuyer sur une touche, commencer la démo, option. Voilà. Bon, l'interface est quand même assez simple, hein, comme les autres, voilà, mais c'est bon, c'est une démo, hein, je le rappelle, donc voilà. Alors, on commence. Alerte! Utilisation non autorisée des téléporteurs express. Des renforts nous seraient utiles. Tous les membres de la Ligue de Justice. À tous les membres de la Ligue de Justice. M'aider. Faille de sécurité, carte rouge, tour de surveillance. Impeccable. À tous les membres de la Ligue de Justice. M'aider. 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 À tous les membres de la Ligue de Justice. M'aider à tous les membres de la Ligue de Justice. Non, on va prendre la mission, merci. On n'est jamais tranquille. À tous les membres de la Ligue de Justice. M'aider. Ah, oh wow, ça en fait des méchants. C'est une faille de sécurité, vengeur masqué. Appelez-moi Batman, on gagnera du temps. On arrive. Notre protocole me suggère de désactiver le téléporteur pour empêcher leur fuite. Ouais, compris. On va se débrouiller. Ouais, compris. L'espace vous convient. Je crains que la batte-fusée ne soit pas prête pour le décollage, monsieur. Pourquoi ça arrive toujours quand on a une urgence? Il va falloir qu'on répare la fusée si on veut aller sauver les autres. Ok, bon, ça change pas des autres, hein, finalement. C'est toujours la même interface. Vous pouvez le voir au-dessus. Bon, par contre, c'est normal, c'est une série de jeux Lego. Donc, pourquoi changer quelque chose qui marche? Donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Ça ne changera pas. Ah! Bon, ok. C'est quoi ça? Bon. La super combinaison de Batman permet de détruire les objets Lego argentés. Avec Batman ou Robin, maintenez triangle. Appuyez pour afficher les combinaisons. Ok. D'accord. Ah oui, mais si à chaque fois... D'accord. Y avoir un moyen de détruire cette vitre en toute sécurité. Briser du verre? Ça porte pas la poisse? Tu confonds avec les miroirs. Les miroirs, c'est fait en verre. C'est pas un truc simple encore. Ah là 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 là. Voilà.
Ouais. Du gameplay, des touches et enfin, voilà. C'est chouette là-dessus. Mais alors pour les énigmes comme ça là, au début en plus pour une démo, je peux comprendre qu'à la moitié ça peut être compliqué, mais alors peut-être que c'est pour apprendre comment on se sert des mécanismes, hein, peut-être. Mais bon, personnellement, je trouve ça trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est trop.